Donc avant de désigner la grande championne de ce départemental de l'Orne. Donc je pense lorsqu'on voit ces six vaches de la part du public, ça mérite vraiment que vous applaudissiez ces éleveurs très très fort, très très chaleureux, très très chaleureusement. Vraiment, ces éleveurs le méritent. Je pense que du début à la fin, nous avons vu des éleveurs très très motivés. Et donc, avec une très très bonne, très très belle présentation. Et donc, avant de désigner la championne, je tiens une nouvelle fois à renouveler les remerciements au président de m'avoir invité donc, pour juger votre départemental. J'ai pris énormément de plaisir à juger ce concours. Je voudrais aussi remercier Morimman, donc c'est Florent, je crois, et donc Jean-Paul également. Je voudrais aussi un petit clin d'œil à la musique qui coordonne à chaque fois le jingle, donc pour bien évidemment que je désigne la championne, la lauréate de chaque section respective. Et donc je voudrais aussi m'associer à un moment avec aux éleveurs et avec les éleveurs, je voudrais aussi remercier le public qui n'hésite pas à applaudir lorsqu'on leur demande d'applaudir. Donc merci public d'applaudir très très fort et très très chaleureusement les lauréates de ce concours. Et donc trois bêtes qui peuvent prétendre au sacre, donc c'est bien là la difficulté de ce concours aujourd'hui, et donc jingle. Solide, très très complète, une bonne orientation de côte, de la largeur, de la profondeur, une bonne ouverture de côte, un pic qui est très très bien agencé, bien dans la vache pour une vache en troisième adaptation, un animal qui se déplace très très bien. Et donc la réserve évidemment également de grande qualité, un animal extrêmement long, j'aurais souhaité seulement aujourd'hui avoir un petit peu plus de profondeur, un peu plus d'ouverture de côte par rapport à la vache à l'eau. Voilà, je pense qu'on peut venir très très fort l'ensemble de ces vaches, l'ensemble de ces éleveurs. Félicitations à tous et merci. Donc, grande championne de ce départemental 2013, la numéro 51, Syra. C'est une fille d'Alain Suras, elle appartient à Laurel de la Solé et M. Patrick Lahen, de Manu Désert. Donc, la grande championne est parrainée par le centre d'assimilation. Donc, il y aura un lot de remis par le centre d'assimilation.